Bonjour à tous. Vous savez, le 18 décembre 2012, les commerçants de Châtillon-sur-Seine avaient organisé une soirée féerique sur la place de la mairie. Il y avait beaucoup d'animation pour les enfants. Magic Tom faisait de la sculpture de ballon. Le clou de la soirée était la venue de Rémi Bricca, l'homme orchestre, que beaucoup de gens ont vu dans une émission de Patrick Sébastien. Comment ça va? Allez, t'as une petite antenne qui plie, c'est normal ou pas? Eh, super, la carriole de bonbons. Eh, regarde la deux. Oh là là, eh, regardez comme ça donne envie, ça. C'est Noël qui approche. Superbe carriole. La petite carriole de bonbons avec tout ce qu'il faut. Voilà, venez voir notre Maria. Je tourne. Un petit bonjour à nos amis qui filment là, parce que c'est quand même un événement important. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Ok, vous avez prévu de l'arroser? Non. Eh ben tant pis, faudra le faire quand même. Vous dormez sur place? Ah, il faudra. De toute façon, il va falloir s'organiser dès maintenant. Hein. Eh, joyeux anniversaire, j'oublierai pas de demander au public et aux visiteurs de vous le souhaiter tous ensemble. Comme vous nous l'aviez promis tout à l'heure, tournée générale, c'est vraiment très sympa. Bienvenue à Châtillon-sur-Seine. Musicien, homme orchestre, chanteur, originaire d'Alsace, nous avons les gens parmi nous, mais c'est la quatrième fois, je vais être à vos côtés parce que c'est la quatrième fois qu'ils assistent à notre spectacle, comme trois fois en Alsace. La vie en couleur, disque d'or en 1977, au départ il est s'annonçait l'ouvrier à Justard et le carton qu'il a continué ce métier pour notre plus grand plaisir. Les amis bonheurs sur France 2, c'est avec André Sébastien, il est passé en invité. Il a traversé l'Atlantique à la coquille des skis gonflables en 88, avec un ski gonflable en plus c'est un ski. Sans jamais vivre au talent de l'eau, les pauvres prouvaient qu'on peut survivre. Deux colombes, est-ce qu'elles sont là? Ah oui, c'est ça. Deux colombes, coco et coccinelle, une vingtaine d'instruments, une trentaine de kilos sur le dos. Ça le fait quand même, véritable show sous l'univers à lui tout seul, avec dernièrement orchestre et les orchestres sont venus sur les deux de la main. Feu d'artifice, pétale multicolore, bout de savon. En 2008, il a participé au clip de Julien Doré. Mais, excusez-moi, il y a le CD de Rémi Bricca, les fêtes approchent, alors ne manquez pas ça. Et le livre en traversée pacifique pour faire un joli cadeau. Comment ça va, monsieur Bricca? Très bien, vous pouvez m'appeler Yannick. Merci, comment? Moi, c'est Yannick. Voilà, vous savez que c'est Yannick, voilà, votre animateur. Et bien, c'est Rémi. Voilà. Comme de la musique. Rémi, ah bien, notre Rémi à nous, merci. Mesdames, Messieurs, je vous demande de l'applaudir, de l'accueillir chaleureusement pour ce frère en pays châtelet. Merci. À 20 ans, quand les gens me voyaient avec ma maison sur le dos, ils me disaient... Orchestre, joue-moi ta chanson. Mais pas jamais, je ne sais plus où est ma maison. Ma maison, ma maison. Et monsieur notre orchestre, joue-moi ta chanson. Dans le matin, tu vas me montrer l'horizon. Chérie-toi, ma, et ta bouche n'a plus de voix, et mes mains n'ont plus besoin, et mes pieds ne marchent pas. Hey, hey, si tu le veux, tu peux faire danser mes souvenirs. Depuis qu'il est devant la lettre, je suis prêt d'aller. Passing.
Tellement leur cadeau de Noël. C'est alors, bientôt les vacances de Noël. Et c'est bientôt les vacances de Noël, bah tu vois. C'est bien, il a bien raison. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque c'est Noël? On chante les chansons de Noël. De Noël, mais bien sûr. Chantons Noël. Chantons Noël. Chantons Noël, Noël. Chantons jusqu'au petit matin les chansons de Noël. À l'air joyeux que l'on retient et qui nous émerveille. Un Noël, du midi. Papa Noël, a descendra du ciel avec les jouets parmi les. Le sapin des tendres années est illuminé. Les étoiles y sont accrochées pour mieux nous faire rêver. Des forêts, c'est la fin de la vie. Je pense à l'effort que je fais. Oh, oh, sapin, toi des forêts, que j'aime ta. Le petit peuple vous dit quelque chose? Le petit papa Noël. Alors on va tous la chanter ensemble, vous êtes d'accord? Allez, c'est parti. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les portières. La 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 la
Allez tous ensemble. C'est Magic Tom, tout le monde est autour et on apprécie. C'est la folie. Ah, ça va très très vite. Ça va très très vite. Découvrez le personnage de dessin animé et vous gagnez le ballon, vous gagnez le personnage. Oui, avant qu'il pleuve. Pour ma mère derrière ou pas, Pierre ? Oui, bien sûr. Tu peux bouger, hein ? Bah, c'est bon, quand tu me filmes ! Qui organise la soirée féerique. On peut applaudir les commerçants sans qui la soirée ne serait pas, bien évidemment, la municipalité, puisque c'est un partenariat avec l'emplacement. Madame la Présidente, un petit mot pour cette soirée, sur les gens qui vous ont donné la main, sur l'organisation, sur tout ce qui nous attend, car le spectacle est perpétuel. L'organisation des craques, parce que pour l'électrique, tout ça, mais comme d'habitude, on s'en est sorti très bien. J'avais très peur qu'il pleuve, mais heureusement, il ne pleut pas. En plus, les artificiers m'ont dit qu'ils étaient chauds et qu'il n'y avait pas moyen, le feu d'artifice serait tiré. Dans tous les cas, il y a feu d'artifice à 21h tout à l'heure. Et puis, en attendant, voilà, tous les commerçants sont là pour vous, pour vous servir à boire, à manger, pour faire des activités avec, avec les enfants. Notre Père Noël, qui est là, qui fait des photos, super. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci de vous être déplacés. Sous l'œil de l'hebdomadaire, le Châtillonnais et le Soir qui annonçait l'événement. Sous l'œil de Cristal de Saint-Marc qui annonçait l'événement également. Vous retrouvez sur les différentes pages. Allons-y, le public, comment ça va? Deux coups de pluie, puis ça y est, vous êtes noyés. On va voir un petit coup. Allez. Là, on est prêts, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir la chorale des Sanglois afin de les encourager. Mario, au lieu de faire l'imbécile, suis-moi. Le ciel se couvre de plus en plus. J'espère que la pluie ne va pas tomber tout de suite. Marina semble vouloir trouver un abri. C'est mauvais signe. Elle avait raison. Mario, nous allons rentrer à la maison. Il pleut trop. Mais la fête n'est pas finie. Il y a encore plein de choses à voir. Tu regarderas le globe de cristal de Saint-Marc. Et nous reviendrons pour le feu d'artifice et la lieu. Oh, d'accord.